Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Donc là, comme vous voyez, mashallah, nous sommes à la mosquée Islah du Bas Montreuil. Donc voilà, nous sommes dimanche 3 mars 2024. Il reste une semaine avant le Ramadan. Et donc il y a une préparation partout dans la mosquée. Il y en a qui font la peinture. Donc il y a Sofiane et Omar. Ils sont en train de finir. Et on a fait les salles, on a fait tout le contour de la mosquée, la salle des femmes. Et là, on fait une salle au fond, ça va servir pour Tarawih, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, Inch'Allah, pour les prières de nuit. Donc là, voilà, vous voyez, on a Sofiane à l'œuvre, il y a Omar plus loin, Inch'Allah. Donc elle est toute belle, cette salle. Elle avait vraiment besoin d'un rafraîchissement. Et voilà, donc la salle des femmes, pareil, donc elle est finie. Voilà, c'est très très beau. Tout le monde est là, il met en place les choses. Tout le monde est en activité. Vous voyez, donc là-bas, nous avons Mohamed qui est en train d'installer une grande télé au milieu avec son fils. Il y a Mortar qui est en train de nettoyer les salles ici, en train de passer l'aspirateur. Donc voilà, il y a une intense activité en dehors des prières le dimanche après-midi pour toujours préparer le Ramadan et mettre dans les meilleures conditions de propreté et d'hygiène le lieu de culte, cette grande salle de prière, mashallah, comme vous voyez. Donc il y a des petites mains, des gens qui sont là, des bénévoles, des frères. Qui travaillent derrière le rideau. Et voilà. Donc là, on est en train de préparer un écran supplémentaire de manière à l'installer ici sur la gauche. Donc Mohamed, un mot pour tout ce qui se passe là. Assalamu alaikum. Inch'Allah, bienvenue au Ramadan. On va faire tout le cours à la mosquée à Montreuil. Et bien, préparation au Ramadan, comment ça se passe bien? Il est déjà arrivé, bien organisé pour la Tarawih, il y a du iftar, il y a tout ça. C'est pour ça qu'il y a des responsables de la mosquée, monsieur Mohamed Hassan. Ils sont toute la journée là au cours. Nous sommes aussi quelquefois travaillés, il y a partiellement, c'est pas toute la journée. Ils sont au cours, alhamdoulilah, toute la journée, tous les jours, il y a partout. Dans mon avion tout à l'heure, il y a des mosquées partout, là, tout côté. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Hein. D'accord, Avec Allah, merci vous pouvez Mohamed. partir. Voilà, tout le monde met à la main à la pâte, met à la main à la pâte. En fait, c'est ouvert, chacun trouve sa place. Et vous voyez, toutes les origines sont là, il n'y a pas de distinction. Alhamdoulilah, c'est très important. Nous sommes d'abord, avant tout, des Français à part entière, d'origines diverses, mais tout le monde a sa place. Tout le monde participe, fait à sa manière. Pour embellir, pour rendre ce lieu chaleureux et accueillant, surtout avec l'arrivée du Ramadan dans quelques jours. Donc il va y avoir aussi une préparation de l'iftar. Donc il y a une équipe qui est en train de ranger aussi, comme vous voyez avec moi là, on va y aller. Donc il y a une cuisine, on va préparer les paniers repas. Qui seront emportés tous les jours. On va faire des repas pour les nécessiteux, pour ceux qui sont en difficulté, les étudiants, les célibataires, les gens qui n'ont pas les moyens. Il y aura un repas chaud plus d'autres. Et donc là, voilà, il y a d'autres frères qui sont là, en train de. Donc d'abord, on a bu un petit thé, et puis ils sont là, en train d'organiser, ranger la réserve. Voilà. Tout le monde a une place, tout le monde trouve sa place, tout le monde participe. Et on a l'arrivée de Abdelkader, donc il y a Mustapha Abdullah Hussein, Abdelkader qui est là. Et comme vous voyez, vous êtes en direct, c'est pas préparé, hein, c'est pas rien n'a été prévu, c'est tout à fait spontané. On est dans la spontanéité, on est dans le naturel. Et comme vous voyez, ça s'active. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, on arrive à créer une dynamique et
une motivation chez tous ses frères. Et voilà, on leur fait beaucoup de doha, beaucoup de prières. Et vous êtes bien entendu la bienvenue sur le Bas Montreuil, 70 Rue des Sorins, la mosquée Islah. Donc au sein de cette mosquée avec l'association Conseil des musulmans de Montreuil, vous êtes la bienvenue pour prendre vos repas, pour prendre ce dont vous avez besoin. On est à la disposition de toute personne, bien entendu, encore une fois. La misère n'a pas de couleur, n'a pas d'origine. Il faut s'ouvrir, il faut offrir aux gens qui sont en difficulté. Merci à tous, merci à toutes ces personnes qui, grâce à elles, on arrive à donner du meilleur de nous-mêmes pour les autres, pour offrir le meilleur accueil et le meilleur espace possible. À bientôt, merci à eux tous.